Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, on attaque avec une histoire, je le répète, insolite. Oui, mais vrai, nous sommes à l'hôpital. Ça, c'est le générique de Dr. House. Oui, bah parce qu'on est à l'hôpital et puis comme on n'arrête pas de parler de canne, je voulais être dans le thème vu qu'il marche toujours avec une canne. Voilà, ça c'est fait. Alors, on est là-bas pour un accouchement, on ne peut plus normal, une maman, un gros ventre, un bébé dedans, bon... Pan, à un moment donné, ça fuit, il y a de l'eau partout, on dirait que je bricole dans la salle de bain, enfin bref... Ça fait mal... Oui, ah bah effectivement, oui, ça fait mal, mais pour autant, tout s'est très très bien passé à l'accouchement, parfait, beau bébé, etc., tout va bien. C'est après que ça se complique. La maman a mal, elle sent son estomac vibrer à l'intérieur, et pour cause, le gynécologue a oublié à l'intérieur son smartphone, dans la dame. Ah bah c'est soit le gynéco, soit le bébé, alors à moins que ce soit un petit chinois qui travaille déjà chez Apple ou Sony, ça peut être que le gynéco, hein. Alors comment ça s'est passé? Ah, j'ai explosé. Ah bon? Oui, le forfait. Qu'est-ce que c'est que ce gynéco? Qu'est-ce qu'il fout avec son téléphone à l'accouchement? C'était son premier, il avait tapé accouchement sur Doctissimo pour voir comment ça se passait ou quoi? Alors je sais qu'avec un smartphone on peut faire à peu près tout, mais quand même l'application césarienne n'existe pas encore, hein, faut le savoir. Heureusement qu'il avait pas mis le haut-parleur. T'imagines, Adam? J'entends des voix. Bah chérie, qu'est-ce qui se passe? T'as froid, tu trembles? Non, j'ai reçu un SMS, je suis sur vibreur. Non mais oubliez son téléphone dans la dame. Alors smartphone ou pas, quand on est là, il me semble que c'est un appel à raccrocher. Oui, là, monsieur, faut raccrocher. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.